Jacques Valéo, 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 Jacques Valéo,
Yeti akasi mololo. Naegi mololo na yeti. Si. Wena no bi matanga na kita lelo. Matanga na kita. Si. Boya na kita pega na na mosa. Mololo na nga. Wena no bi matanga. Yesu na baye kolikasi, Yesu akomi misanti, Yesu mosena eli. Bete la to dine esem, alo bito to gande banda. Moto ya Yesu yeli be Moise, kase mi boza ni emo. Atoge! Atangane kita, Yawe, Toya zali za pe, Nga zamo, Yolo nanga, Yose kata mabwana. Yesu na lobi, Mata mata mwana kita, Atangane kita, Sabe na lola, Yolo nanga, Yesu e, oh yananga, Yesu e, na pedre ata mololo mololo mololo, oh makubisama, musantu na bansantu, Yesu yoti maki, tokufa bote ngana bika, olimona yo, yangwe toni mege na motema. Naponi na ma Yesuwe, eh, anga kola na na ma, nalobi Yesu zame na ma, na ma Yesuwe, Yesu papa na ma yo, na ma Yesuwe, yonde bomo ina ma, na ma Yesuwe, ayonde victor na ma, na ma Yesuwe, ayonde makasi na ma, na ma Yesuwe. Epaina yo Yesu e, oh baba la kate, oh baba la kate, eh baba tenga di solo, samba mani sawa so sala e, baya bisinga di susu, samba mete Yesu e, ah epaina yo Yesu e, amba onyo so bakufa e, boko na Yesu masia bakula e na lilita e. Yesu akuma mae, na bumbo inanga, akuma mae lile. Wona sengi akuma mae, kati na bumbo inanga, zamba meti akuma mae, papa na mae akuma mae, ya ya ya. Kolo, Ninganga moto aliboso, papa na mayo kumama, yaya na mayo kumama yawe, yaku mama yaya, yaku mama yawe. Hey, wobi ngamba baloba kiyo kufa, zamba meta bidisiyo, yamba baki sada mololo, alibi zobi yaku mama yawe, yaku mama yaya, yaku mama yawe. La vie t'arrête à part Dieu, t'es célébré tous les jours. Ah, ah, ah. Mabine sayayo, yo kumba maleloyo. Ah.
Nina Kawapi. Yoda, Yoda. Oh, qui a les derniers mots sur ta vie? Oh, qui a les derniers mots sur ta vie? Oh, Yoda, Jéhovah change les circonstances. Jéhovah change les circonstances. Il ouvre les chemins dans la mer. On y va, Jéhovah. Oui, à toi, Yembela Yahweh. Oui, à tout commissa Yahweh. Eh, Yahweh. Yesu asini si, non, bon, non, son. Yesu asani bon, konzi, naba konzi. Lelo na sengi masi, batela. Alléluia, que mon Yahweh. Alléluia, que bon Yahweh, mon conseiller. Alléluia, que bon Yahweh. Oh, Sani, n'a pas moi, et là, on a vini, belle. Eh, on a vini, belle. La mon lolo, yaya, ou y'a bon guin, à mon atom, allélo. N'a pas moi, il est là. Libéla, Yeshua, libéla. Yes, Yoga, mama. Kolo yesa zaliawa, mame mama. Kolo yesa toke, mame mama. Kolo yesa zaliawa, si mame mama. Kolo yesa zaliawa, mame mama. Kolo yesa zaliawa, mame mama. Kolo yesa zaliawa, pecha mololo. Zoma sima. Oniva, kichaka chaka. Oniva, kichaka chaka. Si. Bona Yesu. Ha, kotika la ganga na kitite. Kelema muke. Si, si. Ah, oso bouge bien, oso bouge bien. Kasi sike na Yesu mokozi na ye. Hey, hey. Merci beta mololo. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Ta façon d'acclamer, c'est en train de montrer que tu es en train de t'acclamer toi-même. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser les cris pour Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Alléluia. Oui, sans plus tarder, nous appelons Asafa. Asafa, vous m'appelez Taraka.
Est-ce que nous sommes plus comme nous, nous parlons à sa fête de la panda? Acclamons pour la gloire de Jésus. Yeah.
acclamer tous les rois de roi, puis t'as fait nous connons, puis t'as nous connons. Gloire à toi Jésus, tout ça n'est qu'il est joie. Gloire à toi Jésus. Asafa, voilà, il va bien ça. Daniel, il soit mon acabit. Oui, en Jésus, à mon amour, à ma tribu. Ou ni foulani. Non, chez Jésus, il n'y a pas ça. Je vais te faire. Je vais te faire. Akuna mambo ma kabila pana. La Bible dit, Apocalypse 1:6, il a fait un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Amen, Église. Asafa, mungu amibariki. Mungu amibariki tena sana. Sans plus tarder, nous appelons mon cœur t'adore. Lorsqu'ils avancent, nous acclamons pour les encourager.
Christ. Alléluia. Toi qui viens jamais, toi qui viens jamais, Jésus, 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 J
commence à adorer, commence à adorer. Commence à adorer ton Créateur. Asa quoi tout du monde encore. Bien-aimé, adore le Dieu très haut. Adore celui qui est tel, qui est qui sera. Adore Jésus en arrêt. Adore celui qui a vaincu la mort. Adore celui qui a la droite du Père. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons ce soir. Nous t'adorons ce soir. Nous t'adorons ce soir. Nous t'adorons ce soir, Jésus. Toi qui règne et qui vit à jamais. Toi qui es celle qui est différente, Seigneur. Ce soir, nous n'avons que toi. Ce soir, nous n'avons que toi, Jésus. Ce soir, nous n'avons que toi, Jésus. Laisse-nous t'adorer. Laisse-nous t'adorer. Bien-aimé, attends. Adore ton Dieu. 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 Adore Jésus. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Adore le Créateur. Commence à adorer là où tu es. Commence à adorer. Commence à adorer. Commence à adorer. À bout de maintenant, ma carrière y aller. Est-ce qu'il y a les vrais adorateurs ce soir? Est-ce qu'il y a les adorateurs que Dieu cherche ce soir? Oh Jésus. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons le roi des rois. Nous t'adorons le Dieu puissant. Nous t'adorons éternel et Dieu. Nous t'adorons Père Christ et Père de gloire. Le Dieu puissant. Ce soir nous n'avons que toi. 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 Jésus nous t'adorons. Jésus nous t'adorons. Jésus nous t'adorons. Le Dieu de grâce. Le Dieu puissant. Nous n'avons que toi, Seigneur, le Dieu incomparable, celui qui règne à jamais, celui qui est Dieu, qui est, qui sera en cette joie, celui qui est assis à la droite du Père, oh, celui qui intercède en faveur de nous, Seigneur. Ce soir, nous n'avons que toi, ce soir, nous n'avons que toi, oh, éternel Dieu, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, nous t'adorons ce soir, nous t'adorons ce soir. Nous t'adorons ce soir. Adore Jésus. Adore Jésus. J'adore Jésus. Adore 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 Jésus. Nous t'adorons Seigneur. Adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Le Dieu de grâce. Amen, amen. Est-ce que parmi nous il y a seulement un Mephibosheth ou soit une Mephibosheth, celui qui va reconnaître et qui va se prosterner devant David parce qu'il sait là où David irait. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut adorer. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut se prosterner devant David. Est-ce que réellement parmi nous il y a des Mephibosheth qui reconnaissent très bien que David nous a tirés de très loin. Là, à l'Odeba, personne ne pouvait jeter son regard sur moi. Là, à l'Odeba, personne ne pouvait même pas me considérer. Et c'est de cette manière qu'on peut adorer David, le véritable David qui est la personne de Jésus-Christ. Est-ce que c'est de cette manière qu'on peut le lever? Est-ce que c'est de cette manière qu'on peut reconnaître sa grandeur? Est-ce qu'on peut, c'est de cette manière qu'on peut reconnaître sa bienveillance dans notre vie, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un peut l'élever? Quelqu'un peut se prosterner? Est-ce qu'un Mephibosheth peut manifester sa reconnaissance avec deux mots, trois mots, avec deux paroles seulement pour dire à Dieu, Seigneur, je te dois le véritable David,
qui m'a tiré de le débat, du néant, et c'est toi qui m'as restauré. Bien-aimé, si tu reconnais, bien-aimé, la joie de la restauration que ta vie t'a accordée ce soir, la joie de la restauration de la terre que ta vie t'a donnée ce soir, ce n'est pas comme ça que tu vas l'adorer, mais tu peux exagérer pour aller au-delà. Est-ce que quelqu'un peut monter dans l'adoration? Quelqu'un peut élever le véritable David, qui est le Seigneur Jésus, celui qui nous a tirés du néant, bien-aimé, celui qui a changé notre identité, lui qui devait être condamné, condamné de la mort. Ce soir, il nous a appelés de racheter celui qui nous a restitué notre véritable identité, l'identité de l'éternité. Est-ce que tu peux l'adhérer? Quelqu'un peut monter dans l'adhération? Quelqu'un peut monter dans l'adhération? Est-ce qu'il y a un mot qui vous chante? Qui peut lui monter comme les voix? Mais David, tu es le seul qui a changé la loi. Tu es le seul qui a changé la loi. Toi qui m'as interdit ce soir, tu as perdu ce que je suis encore là. Est-ce que tu peux l'adhérer? Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux l'adorer? Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux l'adorer? Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur. Acclamer Jésus-Christ, merci. Nous t'acclamons Jésus. Ok. Shalom à vous tous. Shalom. On disait shalom à vous tous. Shalom. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Aujourd'hui, nous débutons cette dernière semaine dans cette action annuelle dénommée Camp Met 2023. Sur le mystère de Mephibosheth. En principe, ce soir, ça devait être un culte de questions et réponses. Mais le prophète me dit, il faut que je parle d'abord, n'est-ce pas? Et le reste viendra après. Alors, sans plus tarder, on a déjà perdu 10 minutes. Pendant que le prophète passe devant, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour la grâce qui nous accorde encore ce soir? On peut le faire? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est vrai que dans la chair comme ça, je me sens un peu affaibli, mais grâce à vos prières, tout ira bien. Grâce à vos prières, tout ira bien. Je vous aime. Je vous aime. J'aime votre pasteur. J'aime sa femme. J'aime l'église. Les serviteurs. Vous avez un avenir meilleur. Je ne vous flatte pas, vous avez un avenir meilleur. Est-ce qu'on peut prier? Oui. Seigneur, ce soir nous avons besoin de ta grâce. Instruis-nous, enseigne-nous, facilite-nous la compréhension. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde. Vous qui êtes venus bien avant, vous êtes heureux.
Aujourd'hui, nous allons parler de Mephibosheth, mais dans un autre langage. Dans un autre style. Mais il n'y aura pas de contradiction. Mais nous allons nous compléter. Avant de commencer l'enseignement, j'aimerais qu'on lise, parce que je veux qu'on se fixe tout d'abord sur les choses que je vais parler. Job chapitre 33, verset 14. Job chapitre 33, verset 14. Job 33, 14, il est écrit. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Lakini mutu ajue kuteka angalisho. Hébreux chapitre 1er. Hébreux wa kwanza. Hébreux chapitre 1er, on lit le deuxième verset. Hébreux 1er 2, il est écrit: Dieu dans ces derniers temps, Mungu mwa wakati ya mwisho, nous a parlé par le Fils, alitusemea kupitia mwana, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le bon. Pour la meilleure compréhension, premier verset. Après avoir autrefois, kisha zamani, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, manamna mingi na maina kwa cha, parlé à nos pères par les prophètes, kusemea kwa baba yetu kupitia manabii, Dieu dans ces derniers temps, Mungu mwi wakati wa mwisho, nous a parlé par le Fils, anatusemea kupitia mwana, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Alors j'attire votre attention, j'aimerais que vous redoublez vraiment votre intelligence pour me suivre et me comprendre aujourd'hui attentivement. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Après avoir parlé à nos pères par de plusieurs manières, plusieurs reprises par les prophètes, kisha kusema kwa baba yetu ma, namna mingi na mala mingi kupitia manabii, Dieu nous a parlé aujourd'hui par le Fils. Leo Mungu anatusemea kupitia mwana. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est comme l'école, raison pour laquelle je vais être vraiment précis, calme, pour que vous reteniez ces choses. Mafundisho ya leo inakuwa sana shule je kwa maana nitakuwa kwa utaratibu utasema pole pole njoo mwelewe bintu. C'est-à-dire Dieu ne parle pas comme les humains. Dieu parle d'une chose, mais de plusieurs manières, de plusieurs reprises. C'est-à-dire quand Dieu entre dans le langage prophétique, après avoir parlé à nos pères par le prophète d'une manière, c'est-à-dire que Dieu parle une chose, il peut parler ça de deux ou trois manières. Je vous donne un petit exemple. Jean-Baptiste voit les hommes venir. Il dit: produisez le fruit. Ce qu'il appelle les arbres, ce ne sont pas les arbres, mais ce sont des hommes. C'est-à-dire, dans le langage prophétique, Dieu peut parler d'une chose dans plusieurs reprises et de plusieurs manières. Exemple, pour le salut de l'humanité, pour me sauver, Dieu se sert de Moïse qui part délivrer Israël en Égypte. C'est une façon que Dieu a parlé. Dieu se sert de David qui délivre la brebis entre la gueule de lion. Dieu se sert de Boaz qui rachète Ruth. Vous voyez, c'est une seule chose, mais il a répété ça d'une manière, d'une autre. Alors, Mephibosheth, je prends une écriture
Mephibosheth. Dieu peut parler de Mephibosheth d'une manière, d'une autre. Mais sans se contredire. S'il vous plaît, j'aimerais que vous me suivez très bien. Je prends un exemple très simple avant de vous enseigner ce que j'ai préparé aujourd'hui. Papa, prenons un peu Apocalypse chapitre 17. Bien que je ne suis pas encore là, lisez le verset 9 et 10 verset. Vous allez voir quelque chose. 17, 9 et 10, il est écrit. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur laquelle la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Vous voyez? Les sept têtes que Jean voit. Il est bichwa saba yoana naona. Asseyez-vous, prophète. Les sept têtes représentent quoi? Représentent quoi? Sept montagnes. Sept montagnes. Milima saba. C'est aussi Inakwapia. Sept rois. Ma femme saba. Vous voyez? Unaona. La montagne représente, la tête représente une montagne, ça représente aussi un roi. Pourquoi? La montagne c'est le sommet, c'est là où tout vient. C'est-à-dire la montagne, c'est un homme qui a une tête, qui a aussi les pieds. Les pieds de la montagne, c'est ça le bas. C'est comme le parvis. Là on a offert. Mais Moïse monte au milieu de la montagne. Il mange avec Dieu. Vous voyez la montagne? Les pieds c'est le parvis où on donne les sacrifices. Les milliers, ils mangent avec Dieu. C'est le lien saint. Mais pour écouter Dieu, il va au sommet. C'est-à-dire le sommet, c'est la tête. C'est là où il y a la bouche. C'est-à-dire que Dieu peut parler. Donc la tête, c'est la montagne. La tête, c'est le roi. C'est ça la façon que Dieu parle dans le langage prophétique. Je veux que tout le monde me suive et me comprenne. Un autre exemple. Prophète, prenez Exode chapitre 19. Je veux que tout le monde me suive avec beaucoup d'attention. Exode chapitre 9, prenez même verset 3-4. Non, non, commencez par le verset 4. Oui. 4. Exode 19, verset 4, il est écrit. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur les intègres et amené vers moi. Attends. Qui est l'aigle ici? Dieu. L'aigle, Dieu lui-même dit que c'est moi l'aigle. Je vous ai transporté sous les ailes. Donc Moïse et Aaron, c'était les deux ailes. Dieu s'est servi d'eux pour transporter Israël et amener vers lui. Qui est l'aigle? C'est l'Éternel. Mais vérifiez Ézéchiel. Chapitre 17, verset 3. Vérifiez. Ézéchiel, chapitre 17, verset 3. Ézéchiel 17, 4, il est écrit. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Un grand aigle, aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, va sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Voilà. Ézéchiel 19:3, asseyez-vous, prophète. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui, ne vous en faites pas. C'est-à-dire que Dieu, le prophète Ézéchiel voit une montagne, il y a le cèdre, il voit un aigle qui va enlever le cèdre. Le cèdre c'est un grand arbre, ça parlait de la royauté,
C'est-à-dire Ézéchiel explique comment Nabucodonosor, vous voyez, Dieu est l'aigle, mais Nabucodonosor aussi, c'est un aigle. Il part prendre un cèdre, c'est-à-dire enlever le roi d'Israël, de Juda, l'amener dans son pays. C'est-à-dire que l'aigle dans la Bible ne signifie pas Dieu. L'aigle, c'est une créature. Voilà pourquoi quand vous prenez l'aigle, il y a une photo d'aigle, vous mettez ça devant l'église, on se pose la question, quelle sorte d'aigle? Parce que dans la Bible, l'aigle peut représenter Dieu, l'aigle peut représenter diable. Maintenant, l'aigle là, qui représente Dieu, cela ne veut pas dire que l'aigle là devient Dieu. Mais Dieu sort la pensée qu'il avait mis dans l'aigle, le même corps que Dieu se sert, le diable aussi peut s'en servir. Est-ce que tout le monde a compris? C'est-à-dire une écriture peut prendre des couleurs, mais ces couleurs-là ne peuvent pas se contredire. C'est comme Jésus-Christ dit, de même que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, le fils de l'homme aussi sera élevé. Donc Jésus-Christ à la croix, qui est-il? Il n'est pas seulement agneau, il est aussi un serpent, le serpent des reins. Ça dit que tout serpent dans la Bible n'est pas le diable, il y a aussi le serpent qui représente la nature de Dieu qui a absorbé notre jugement. Est-ce que tout le monde a compris? Maintenant, Mephibosheth. Je vous ai donné ces exemples pour que vous ne soyez pas perdus dans le titre que nous voulons faire à partir d'aujourd'hui, si Mephibosheth. Je commence. Mephibosheth, à sa naissance, il est né pur. Mais à la mort de son père, il devient impur. C'est-à-dire, il portait dans ses jambes les marques de foi. Suivez-moi très bien. Aujourd'hui, Léo, je veux que nous creusions Mephibosheth. Donc nous voulons entrer dans la profondeur de Mephibosheth. Parce qu'on fait une étude prophétique. Donc je vais donner le pourquoi de tous ces mouvements. Pourquoi Mephibosheth tombe? Il tombe parce que la nourrice a appris la mort de Saül et de Jonathan. Que le Seigneur vous bénisse. Vous me suivez bien? C'est très simple. Et vous allez comprendre. Alors que, si vous vérifiez les textes, prophète, lisons un texte. Je dis qu'aujourd'hui on va beaucoup lire parce que c'est l'école. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5. Papa, prenez le verset 1 jusqu'au 2e. 2 Samuel 5, 1 à 2. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. Qu'est-ce qu'ils disent? Reprends. Autrefois déjà, lorsque Saul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit,
Tu pèteras mon peuple Israël. Donc tout Israël connaissait que qui est le roi. Tout Israël connaissait que qui est le roi. Bien que Saül est présent, mais il connaissait que le roi c'est David. Il connaissait que qui est le roi. Même la nourrice ici, qui portait Mephibosheth, connaissait que qui est le roi. David. Mais pourquoi la mort de Saül, elle fuit. Ils avaient la connaissance, mais ils ont renié cette connaissance. Parce que si réellement elle avait la connaissance, elle pouvait dire merci Seigneur, la mort de Saül c'est le règne de David. Elle ne pouvait pas fuir, mais elle a fui parce que elle ne comprenait pas que les deux rois ne peuvent pas subsister ensemble. Il faut que l'un meure pour que l'autre prenne la place. Dans la mort de Saül, c'était la fête des sacerdotes. Il fallait que le vrai roi prenne la possession du royaume. Mais comment la mort de Saül peut permettre que Mephibosheth perde ses jambes? Ce sont des choses que je vais expliquer. Que le Seigneur vous bénisse. Hey, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons Mephibosheth qui est né pur. À la mort il devient impie. Il est chassé à Lodeba. Pourquoi à Lodeba? Il part hors du camp. Parce que le chien ne peut pas rester dans le camp. Il devient impie. Suivez-moi. Nous avons étudié ceci. L'homme est né pur en Éden. Mais par la mort d'Adam, l'homme devient impie et chassé hors du camp. C'est clair, non? C'est clair. Mais aujourd'hui, nous voulons expliquer toujours Mephibosheth comme un peuple. Parce que nous voulons entrer dans l'étude prophétique. C'est-à-dire que ce Mephibosheth ne représentait pas seulement les nations, mais dans Mephibosheth, il y avait aussi un peuple. J'aimerais qu'on s'attende très bien. Qu'on s'attende ici très bien. Quand Dieu a créé les animaux étaient impurs ou bien impurs? Tout ce que Dieu a créé, il dit quoi? C'était bon. Sixième jour, il dit très bon. Parce qu'il a vu l'homme. L'achèvement de son œuvre. Est-ce que le cochon était impur? Le cochon était impur? Le serpent était impur. Le crapaud était impur. Tous les animaux étaient purs. Mais quand est-ce qu'il y a une séparation des animaux purs et impurs? C'était à Sinaï. Quand Dieu donne la loi, maintenant la loi sépare deux peuples. Seigneur, est-ce qu'on me comprend? Nous avons lu Exode 19, 4, 5, Dieu dit ceci. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte? Comment je vous ai transporté sous les ailes d'aigle et amené vers moi?
C'est-à-dire que Israël n'est pas vraiment né en Égypte. Mais la vraie naissance d'Israël, c'est à partir de Sinaï. Quand vous vérifiez Exode chapitre 12, verset 37-38, Moïse écrit ceci. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès, environ 600 000. On ne connaissait pas leur nom. On connaissait seulement Israël. Mais c'est d'Assinaï que Dieu fait le recensement pour choisir les 12 tribus. Ça dit que la naissance d'Israël, c'était à partir de Sinaï. Le jour de la naissance d'Israël, c'est alors que les nations deviennent impies. Je recommence. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai promis qu'aujourd'hui, ça sera l'école, non? Écoutez. Allons un peu dans la révélation. Jésus-Christ, on l'invite à aller guérir la fille de Jaïrus. Dans son calendrier, il dit, je pars pour guérir la fille de Jaïrus. La fille de Jaïrus avait 12 ans. Il part pour guérir la fille de Jaïrus. Il partait. On nous a invités dans la maison de Jaïrus. Au cours de la route, une femme à tête de perte de sang, elle a souffert, dira combien? C'est-à-dire, avant la naissance de la fille, cette maman était pure. Mais le jour où la fille est née, elle devient impie. Pourquoi elle devient impie? Elle devient impie par la naissance de cet enfant. Donc avant la naissance de l'enfant, elle est pie. Elle a existé. Elle est née avant la fille. Mais quand la fille est née, la maladie commence. Il y a la différence. Le coulement du sang, ce n'est pas normal. Supportez-moi. Toute femme qui n'a pas encore atteint la ménopause, elle connaît aussi ses menstrues. Mais le sang qui coule chez la femme peut être arrêté. Ça s'arrête par la semence. Ça s'arrête si ces périodes-là arrivent au terme. Mais une femme de la perte du sang, elle n'a rien pour arrêter son sang. Israël aussi était une femme impie. Les nations aussi nous étions des femmes impies. Mais la différence est que Israël avait les sacrifices qui arrêtait son sang, qui arrêtait son impureté. Mais nous les païens, on n'avait pas les sacrifices pour arrêter notre impureté. C'est-à-dire que nous sommes tombés malades quand la fille est née. Donc nous les païens, les non-juifs, nous sommes devenus impurs par la naissance d'Israël. Maintenant quand Jésus-Christ est venu, il se rendait pour sauver Israël. Mais avant de délivrer Israël, il nous sauve premièrement. Nous l'avons arrêté aujourd'hui, qui nous sauve premièrement. Après, il ira sauver la maison d'Israël. Je suis allé pour vous faire comprendre que, en réalité, Mephibosheth, qui est né bon, mais suivez parce que là, je change la couleur. En réalité, ce Mephibosheth représente aussi un peuple.
Quand Jésus-Christ meurt à la croix, c'était pour nous faire entrer dans le royaume et c'était pour qu'Israël soit chassé. C'est-à-dire la croix pour nous, c'est la bonne nouvelle, mais pour Israël, c'est la malédiction. On m'a pas compris? On m'a pas compris? C'est-à-dire, Dieu était le Dieu d'Israël. Nous, nous étions impies. Mais à partir de la croix, parce que Moïse disait ceci. Papa, vérifions un peu Exode là. Exode, vérifions Exode s'il vous plaît. Vérifions Exode pour que les gens nous comprennent très bien. Nous sommes dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Papa, prenez le verset 24. Il est écrit. Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Mankondo yako na mangombe wakati yote fasi yote nitaita jina yangu takuya kwako na nitakubariki. Si tu me lèves un hôtel de pierre, kama basi unanifansia mazabao ya mawe, tu ne le bâtiras point à pierre taillée, hautafanya na mawe ya kuchongola pa. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Jumu kupitisha kisu yako pa jiwe ile utayalabisha jiwe ile. Tu ne monteras point à mon hôtel par degré, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Amen. Hautapanda pa mazabao yangu kwa matua juu basi uchi wako ishonekane. Amina. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication. Napenda Bwana ongeze utafsiri. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre. Napenda Bwana mpatie akili njoo akunyelewe. Dieu donne la loi. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas ceci. Tu ne feras. Israël disait amen. 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 À la fin, il a compris que cette loi ne sauvera pas Israël. Maintenant, il dit, tu me bâtiras un hôtel. Et sur cet hôtel là, tu vas mettre l'offrande. Qu'est-ce que l'hôtel est venu faire? Ça dit que l'hôtel sera le lieu de la bénédiction. Parce que la loi ne va pas bénir, mais c'est l'hôtel qui bénira. Maintenant il dit ceci: si tu bâtis un hôtel, ne monte pas. Prophète Mali, comment quelqu'un qui a bâti l'hôtel, il doit encore monter? Qu'est-ce qu'on met sur l'hôtel? C'est l'offrande, non? Mais Dieu dit, si tu me bâtis l'hôtel, ne monte pas. Parce que si tu montes sur l'hôtel, ta nudité sera découverte. Et cette nudité, ça sera la malédiction parce que tu es monté sur l'hôtel. Je vous pose une petite question. Supportez-moi. J'aime être bien séant. La nudité d'un homme, c'est une malédiction pour sa femme? C'est une malédiction pour sa femme? Mais c'est la malédiction pour qui? Pour sa mère, pour sa sœur. Mais Jésus-Christ à la croix, quand il reste nu, ce n'est pas pour nous un sujet de la malédiction. Pour nous, sa nudité, c'est la bénédiction pour nous. Mais pour Israël, c'est la malédiction. Parce que Israël, c'est sa mère. Israël, c'est sa sœur. Ah, vous avez compris. C'est-à-dire que la croix, pour nous, c'est la bénédiction. Mais pour Israël, c'est la malédiction. C'est-à-dire les prophètes, d'autres fois, ils attendaient la grâce. Mais ils n'ont pas compris que la mort de Saül, c'était la fin de la loi pour que David règne. Parce que David, c'est la grâce qui doit régner à la place de la loi qui est Saül. C'est le manque de la compréhension qui a fait qu'Israël trébuche.
Je vais vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez très bien. Papa, prenez Luc chapitre 14. Je vous ai dit qu'on va beaucoup lire aujourd'hui. Luc chapitre 14. Verset 13. Mais lorsque tu donnes un festin, wakati unatayarisha karamu, invite des pauvres, alika wa maskini, des estropiés, wale watu wa shipo heshima, estropiés, wa mikulu ya kuvundika, okay, des boiteux, wa kilema, des aveugles, na wa pauvres. Attends, vous y êtes? Mungu ananifuata. Vous y êtes? Mungu ananifuata. Vous ne voulez pas l'école. Vous voulez toujours la prédication. Jésus-Christ entre dans la maison. Il était là. En train de manger. Il dit, hey, si vous organisez les festins. Mais il est dans les festins. Il est où? Dans les festins. Il dit, bon, quand vous organisez les festins, invite aussi les boîtiers. Où sont les boîtiers? Invite aussi les boîtiers. Les aveugles. Parce que dans ce festin là, il n'y avait pas les boîtiers. Il n'y avait pas des aveugles. Il n'y avait pas des estropiés. Maintenant il dit, vous invitez aussi les boîtiers. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Papa, prenez le verset 21. Quand il a dit comme ça, quand il a dit comme ça, papa, continue un peu la lecture. Continue. 14. Et tu seras erré de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Prophète Malé. Attends un peu. Moi, j'organise les festins. Je pars. Boiter. Avec les. Il faut faire ça. Fanya vite. Parce que ils ne peuvent pas vous rendre. Descendez. L'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, et est celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. C'est cela, est-ce qu'il a compris? Jésus-Christ dit, si tu organises le festin, invite aussi les boiteux, les aveugles. Il dit, bon, Jésus, oui, celui qui prendra son festin dans le royaume. Est-ce qu'il a compris? Jésus-Christ maintenant explique. Descendez. Ok, le verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux convives, venez car tout est déjà prêt. Mais tous inanimement se mirent à s'excuser. Le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bien. Jésus dit ceci. Mali, si tu organises le festin, invite aussi les boiteux, les aveugles. Mali dit oui, Seigneur. En tout cas, c'est bien. Celui qui prendra sa part dans le festin du royaume. Jésus dit, bon, un homme organisa le festin, il a envoyé qu'on fasse venir les serviteurs. Maintenant, le festin là, ce n'est plus le festin qu'il mangeait. Le festin là signifie autre chose. Est-ce qu'on me comprend, Jésus? Il a envoyé ses serviteurs. Venez, le festin est organisé. Venez manger. Mais les invités ont dit, nous ne pouvons pas prendre part. Nous ne pouvons pas prendre part. Ils ont refusé. Descendez. 19. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit, je viens de me marier
Et c'est pourquoi je ne puis aller. Les serviteurs de retour rapportent ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur: va promptement dans le place et dans le riz de la ville et amène ici le pauvre, les estropiés, les aveugles et le boiteux. Quand est-ce que les boiteux sont entrés? Quand est-ce que les boiteux sont entrés? Quand les convives ont refusé, nous n'allons pas entrer. Alors les boiteux venaient. Maintenant on comprend le festin que lui parlait. Ce n'était pas le festin là, mais c'était le royaume. Voyez là où Mephibosheth entre. On n'a pas le Mephibosheth en Engi. Il entre quand? En Engi Wakatga. Il entre parce que Israël, en Engi du Israël, a décliné l'appel de l'invitation du royaume. En Akatala Mwito ya Ali Kokufa. C'est alors que les boiteux entrent. Donc pas les sasawakile matengi. Maintenant je vous pose la question. Ne me oubliez jamais. Quand les boiteux entrent dans la maison, Wakati wakile manengia mnyum. Qui sont à l'extérieur maintenant? Wanani sasa wanakuwa nje. Les conviés qui sont dans la maison maintenant. Maintenant, qui deviennent les boîtiers? Qui deviennent les boîtiers? Parce que le roi s'est mis en colère. Il dit, ils n'entreront plus. Matthieu chapitre 22, verset 2 jusqu'au 8e verset. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui organisa les festins. Il envoya ses serviteurs pour faire venir les invités. Les serviteurs ont décliné l'invitation. Il dit, va, allez encore. Cette fois-là, les conviés se sont jetés sur les serviteurs. Ils les ont battus. Il dit, assez. Ils n'entreront pas. Allez dans les carrefours, ramassez n'importe qui. Aujourd'hui, Israël est mis à l'écart. Et nous, autrefois les boiteux, nous sommes entrés dans la maison, nous mangeons parce que la table a changé. Attends un peu. C'est-à-dire que la table a fait comme ça. Les chiens mangent où? Qu'est-ce qu'ils mangent? Ceux qui mangent sur la table, ce sont des hommes. Où est-ce que les chiens mangent? C'est-à-dire que le premier et le dernier. Mais à la croix, il renverse. La table renverse. Le premier devient le dernier. Le dernier devient le premier. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, nous ne sommes plus les Mephibosheth. C'est Israël qui est Mephibosheth. Parce qu'il est hors du camp. Nous étions hier le Mephibosheth. Mais par la grâce, nous sommes entrés. Nous ne sommes plus le Mephibosheth. Mais Israël, qui n'a pas crié à l'évangile, est hors du camp. Il devient Mephibosheth. Tout le monde a compris, hein? On a changé de couleur, non? Tout le monde a compris. Donc pour le moment, nous ne sommes plus les Mephibosheth. Donc personne ne peut me condamner. Personne ne peut dire que tu es boité. Non, je suis admis à la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est Israël qui est Mephibosheth. Miché. Mika. Chapitre 4, verset 6. Jusqu'au 7e verset. Saba. À partir de là, maintenant, on laisse les écritures et on monte. Michée 4, verset 6. Jusqu'au 7e. À ce jour-là, dit l'Éternel, je requérirai le boité. La promesse de boité, c'est aussi pour le futur. Ouais. À ce jour-là, dit l'Éternel, je requérirai le boité. Oui. Je rassemblerai ceux qui étaient chassés. Ah. Ceux que j'avais maltraités. Ah. Des boités, je ferai un reste.
de ce qui était chassé, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Amen. Donc quand nous voyons David entrer dans Sion, chercher Mephibosheth comme le reste, il annonçait comment est-ce que Dieu reviendra, chercher aussi son peuple qui est dispersé. On a compris, hein? Maintenant, allons-y, montons. Vous êtes? Vous y êtes? On a fixé, maintenant on monte. Pourquoi le reste d'Israël aujourd'hui est considéré comme Mephibosheth? Parce que ils ont rejeté la grâce. Et les gens, les prophètes qui les conduisaient, ne comprenaient rien sur la grâce du Seigneur. Mais Dieu dit, je vais encore songer. Je vais encore les récupérer. Alors je vous en prie de me suivre ici avec beaucoup d'attention. Pourquoi David, effacez parce qu'on veut maintenant utiliser les tableaux. Pourquoi David s'est souvenu de Mephibosheth? Ce n'était pas par la force de Mephibosheth ni par sa justice, mais c'était à cause de leur père. Ça dit, Mephibosheth trouve grâce à cause de qui? À cause de l'alliance de son père. Écrivez Romains chapitre 11. On ne lit pas, on gagne du temps. Verset 25. Jusqu'au 28e verset. Le frère Paul nous prêche ceci. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Qu'est-ce qu'il dit? En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'alliance, ils sont aimés à cause de leur père. Donc Mephibosheth rentre à cause de son père. C'est-à-dire, en réalité, le père qui fait que David se souvienne de Mephibosheth, c'était Jonathan. Alors suivez-moi très bien. Vous y êtes? Vous y êtes? Je retourne sur les chants que j'avais enseignés. Si vous retenez ça, on monte. Si vous ne retenez pas, on descend. Jésus vient. Je vous épargne de beaucoup de lectures parce qu'ici nous touchons des choses plus sérieuses. Dans Marc chapitre 11, si vous commencez par le verset 10, vous descendez jusqu'au 13-14, vous allez remarquer une chose. Jésus vient, il entre dans Jérusalem, les gens l'ont adoré. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Hosanna, fils de David. Moi j'aime mon Seigneur. Il ne s'arrête pas à l'adoration de l'extérieur. Vérifiez bien le texte. Il entre dans le temple. Donc l'adoration que nous faisons, ce n'est pas ce qui attire Dieu. Mais il faut qu'il entre aussi dans nos cœurs pour vérifier quel rapport y a-t-il entre l'adoration et la disposition de sa parole dans nos cœurs. Quand les gens acclament aujourd'hui, quand les églises deviennent 5000, vous adorez, Dieu ne s'arrête pas là. Il doit entrer, vérifier chaque chose dans l'église, vérifier chaque chose, parce que Dieu ne sera jamais derrière les hommes. Ce sont les hommes qui doivent être derrière Dieu.
Quand il entre dans le temple, tu trouves qu'il n'y a rien. Le signe d'un prophète, le mouvement d'un prophète, c'est un enseignement. Il ne dort pas à Jérusalem. C'est pour dire que le Fils de l'homme n'a pas trouvé une place pour poser sa tête. Il est venu en Israël, il a trouvé les acclamations, mais il n'a pas trouvé la maison. Il sort à Jérusalem, il part à Bethanie. C'est là qu'il dort. Et le matin, il sort. On rentra. Il a regardé les figuiers. Il y avait les feuilles des figuiers. Qu'est-ce qu'il cherchait? Le fruit. Ils arrivent là, il n'y a pas les fruits. Il maudit. Mais ce n'était pas la saison des figuiers. C'est là où je me suis arrêté la fois dernière. Comment Jésus Dieu doit aller chercher les figues? Non à sa saison. Prophète, vérifiez. Peut-être les uns diront que non. Prophète Jean-Louis exagère. Vérifions Marc chapitre 11, s'il vous plaît. Vérifions. Vérifions. Dispéris soit le règne qui vient. Le règne de David, notre Père. Commencez directement dans le verset 12-13. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bethanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Je suis ministre pour ça. Amen. Je suis prédicateur pour ça. Comment Jésus dit, prophète Mali, il part chercher les figues non à sa saison. Alors que l'arbre produit à sa saison. Mais lui, Dieu, il est allé chercher les figues. Non à sa saison. Mais il est maudit. Est-ce que c'était la faute des figuiers? Parce que ce n'était pas sa saison. Mais ce qu'il faisait là, il était un prophète. Il cherchait quoi? Jérémie chapitre 24. Commencez par le verset 2. Allons-y. Jérémie chapitre 24. Ok. Jérémie 24, verset 2, il est écrit. L'un des paniers contenait de très bonnes figues. Comme le figue de la première récolte. Hein? Ah, c'est-à-dire que le figue produit deux fois. La traduction d'Arbi dit, Jérémie voit deux paniers de figues. L'un des paniers contenait des figues de la première saison. Descends. Ok. Et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, que vois-tu Jérémie? J'ai répondu, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes. Et les mauvaises sont très mauvaises. Elles ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Parole de l'Éternel me fit adresser à ce mot. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable. Les captifs de Juda wafungwa wa Yuda, que j'ai envoyé de ces lieux dans le pays de Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable. Prophète, oui. Prophète, là maintenant les figues deviennent qui? Tout le peuple. Hein, les figues deviennent qui? Israël, le peuple de Juda. Ah, c'est-à-dire qu'il y a deux sortes de figues. Il y a les figues de la première saison qui sont des hommes que Dieu va agréer. Et les autres figues que Dieu ne va pas agréer.
C'est que quand Jésus cherchait les figues, il ne cherchait pas les fruits, mais il cherchait des hommes. Osée 9, 10. Osée 9, 10. Il est écrit, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, et j'ai vu vos pères comme le premier fruit d'un figuier. C'est-à-dire les premiers fruits d'un figuier, ce sont les pères. Pourquoi David se souvient de Mephibosheth? C'est à cause de son père. Qui sont les pères d'Israël? C'est Abraham, Isaac et Jacob. Donc ce sont les figues de la première récolte. Donc quand Jésus-Christ cherchait les figues, il ne cherchait pas des hommes, mais il cherchait la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà pourquoi il dit, si vous étiez fils d'Abraham, montrez-moi les œuvres. Parce qu'en Israël, il n'a pas trouvé les fruits, il les a maudits. Oui, c'était la saison des figues, frère. Parce que le figue produisent deux fois. Le figuier plutôt produit deux fois à la première saison. La première saison, c'est quelle saison? Vous êtes perdu? On a poté. Je vous ai promis qu'aujourd'hui c'est l'école, non? Jacques chapitre 5, verset 7, 8, écrivez ça. On ne lit pas rapidement. Le bien-aimé Jacques dit, prenez patience. Prenez patience jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur. Attend le précieux fruit de la terre. Prenant patience à son égard. Juste à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est-à-dire que quand la pluie tombe, c'est pour permettre à la terre de produire le fruit. Mais il y a deux saisons. Il y a la première et l'arrière-saison. Donc quand Jésus-Christ cherchait le figuier, il ne cherchait pas le fruit, mais il cherchait des hommes. Il cherchait la foi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui n'a pas trouvé en Israël. Voilà pourquoi à cause d'Abraham, à cause d'Isaac, à cause de Jacob, le frère Paul dit que, en ce qui concerne l'alliance, Israël est aimé à cause de leur père. Donc Mephibosheth, à cause de son père, il doit être récupéré. Et Miché dit que Dieu va récupérer encore les boîtés. Aujourd'hui, Israël est boité hors du camp. Mais à cause de l'amour du Père, avant d'avancer, je vais vous dire une chose. Le Père est très important, hein? Même dans la vie, même dans les ministères. Amen. Le père. Baba. Le père, c'est celui qui t'a donné la vie. Baba, c'est celui qui a donné la semence. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que j'ai parlé à l'âme. Hein? Il y a les autres. Mon fils. Mais on regarde. Oh, c'est la face du voisin. Si c'est le fils, on doit voir aussi les traces du père. Parce que d'autres personnes disent, celui-là, c'est mon fils spirituel. C'est mon fils spirituel. Mais quand vous regardez le fils, il n'y a rien de père. Il n'est pas ton père. Laisse. Parce que le fils doit reproduire le père. Mais si réellement tu as un père,
Il faut les respecter. Parce que Dieu n'a pas commencé par toi. Il a commencé par lui. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire? Vous comprenez bien ce que je veux dire? J'ai toujours dit que la notion du Père, avant que j'avance, parce que je dois vous enseigner. Je vous fais entrer dans la prophétie pour qu'on entre déjà dans les sous. Je dois vous enseigner. Vous savez, quand Dieu appelle Josué, il dit Josué. Yoshua. Ah, mon sacole mali. Moi, tout en anglais, ça te pond dans un macambe bébé. Il dit bon, Josué, lève-toi, lève-toi. Il fallait qu'il dise seulement possède Cana. Il dit Moïse, mon serviteur est mort. Lève-toi, entre dans Cana. Pourquoi il a commencé par Moïse? C'est pour rappeler à Josué, je n'ai pas commencé par toi. Tu es entré par l'œuvre de Moïse. Fais attention. Souviens-toi de Moïse. Et quand Josué entre, il se rappelle, ce n'est pas mon œuvre. Il y a Moïse. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera. Parce que Jésus, oh, je vous ai scandalisé. Jésus, c'est le Père. Bon, écoutez. Il dit ceci. Va regarder si la pluie vient. Il part y voir. Il n'y a rien. Il part y voir. Il a vu une pomme qui s'élève comme la mer. La pluie ne peut pas venir s'il n'a pas un père. Bon, le père de la pluie, c'est la mer. C'est pas moi qui l'ai dit. Dieu dit à Job, la pluie a-t-elle un père? Si tu vois la nuée, il le vent, le souffle, c'est que la pluie. Maintenant, c'est parce que là, la pluie ne peut pas tomber comme ça. Donc, la parole ne peut pas venir comme ça. Il faudrait qu'il y ait le Saint-Esprit à travers le ministre de la parole. Alors, je veux dire que Josué, si tu te lèves, souviens-toi de Moïse. Moi j'aime Salomon, il était sage. Parce qu'aujourd'hui quand les gens prêchent, ils sont ingrats. Vous ne serez pas bénis. Il faut être reconnaissant où Dieu vous a visité. Il faut être reconnaissant. Ata uzalagi na velo komi na mutuka, il faut être reconnaissant. Parce que beaucoup de gens sont comme ça. Il devient directeur. Tu ne vas pas venir à l'église? Je n'ai pas le temps. Hein? Il faut être reconnaissant. Là où Dieu t'a tiré, t'a ramassé. Sans Dieu, nous sommes rien. Moi j'aime Salomon, hein? Très sage. Dieu dit, demande tout ce que tu veux. Beaucoup de gens ne lisent pas bien. Ils disent, Salomon a demandé la sagesse. Non. Salomon a dit ceci. Seigneur, tu as marché avec ton serviteur David, mon père. Voilà là où il pose sa prière. Et tu lui as dit, il aura un fils. Je viens maintenant. Tu vois, il a tout d'abord posé le père. Et sur le père, il pose sa requête. Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas l'écouter sans se souvenir de David. Il faut toujours être reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tout le monde comprend bien ce message? Rentrons là-bas. Mephibosheth, ce n'est pas lui, mais c'est la fidélité de son père Jonathan. Mais bien aimé, aujourd'hui Israël, hors du camp, mais il va rentrer. Malachi chapitre 4 verset 5. Malachi 4, 4 5. Je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel pour ramener le cœur de qui? De père au fils.
Il faut que Israël rentre comme les figues de la première récolte que Jésus-Christ a cherché. Il faut que leur foi devienne semblable à la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà pourquoi Osée chapitre 6, verset 2, 3 dit: l'Éternel reviendra à nous comme la pluie du printemps. Écrivez ça. Osée 6, 2, 3 égale Zacharie 10, 1, 2 égale Amos 4, 6, 7. Vérifiez. Prophète, vérifions Proverbe s'il vous plaît. Oh, vous avez écrit ce verset? Hein? J'étais rapide. Osée 6, 1, 3 est égal à Zacharie 10, 1, 2 est égal à Amos 4, 6, 7. Voilà. Écrivez ça rapidement. Écrivez ça rapidement. Ah, Naebi Sakibino qui est aux allées dans la classe. Ni m'y a mis à vous aller au nichou, là. Oh, Naebi Sakibino tous allées dans la classe. Vous êtes perdus. On a poté. Hein, vous êtes perdu? Papa, répétez ce verset-là pour que les gens aient. Amos 6, 1, 3 est égal. Zacharie 10, 1, 2 est égal à Amos 4, 6, 7. Voilà. Osée 6, 1, 3. Osée 6, hein? Ok. 6, 4, 6 à 7, hein? 6, 1, 2. Osée 6, 1, 2 à 3 est égal à Zacharie 10, 1 est égal à Amos 4, 6, 7. Alors, voilà. Maintenant, la pluie de prétend. La pluie de prétend, là, signifie quoi? Papa, lisez. Proverbe chapitre 16, verset 15. Parce que il faut que Mephibosheth rentre dans la saison du prétend. Ouais. Proverbe 16, 15, il est écrit: la sérénité du visage du roi donne la vie. Et sa faveur est comme une pluie du printemps. Regardez-moi s'il vous plaît. La vie du peuple dépend du visage du roi. C'est-à-dire si le roi se met en colère, ça veut dire qu'il y a la mort. Si le roi et l'ongezar au fond, c'est la vie. Et on ne m'a pas écouté. Papa, reprenez le verset. Proverbe 16. Commencez par le verset 14. La fureur du roi est un messager de mort. Donc, quand le roi se met en colère, c'est dire quoi? C'est la mort, non? Quand le roi se met en colère, veut dire c'est la mort. Descendez. Terminez, prophète. Terminez la lecture. Et un homme sage doit l'apaiser. Donc, quand le roi est en colère, un homme sage vient, il apaise la colère du roi. Maintenant, le visage du roi change. Verset 15, on dit quoi? Prénité. Du visage du roi donne la vie. Et sa faveur est comme une pluie du printemps. Ça veut dire que c'est le roi. Quand il se met en colère, c'est le message de la mort. Mais un homme sage vient, il appelle sa colère, il se réjouit. Ce jour-là, Dieu s'est mis en colère. Il dit: Moïse, descends. Ce peuple-là, tu l'as fait sortir en Égypte. Il l'a tué. Parce que le roi était colère. Mais quand Jésus vient à la croix, l'homme sage qui a apaisé la colère du roi, il dit: tout est accompli. Dieu, son visage. Et Lévi,
Quand Dieu avait la colère, son visage était colérique. Lévi a pris l'épée, il a tué 3000. Mais à la croix, quand la colère de Dieu a changé le visage, Pierre sort avec même épée, il sauve 3000. Ça dit que le ministère de la grâce, c'est à cause du visage du roi. Voilà pourquoi on dit que la sérénité du visage du roi est comme la pluie du printemps. Seigneur, est-ce qu'on peut monter? On peut monter quelques degrés. Eh, les mamans sont fatiguées. Hein? Prophète Jalo, aujourd'hui tu nous as amené dans quelle école? On laisse un peu ça. Je veux dire ceci. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne un peu de vin, comme ça on termine. Parce que je vois comme si vous étiez dans une université aujourd'hui. Alors, je veux dire ceci en un mot. Les frères de Joseph le voient. Ils ont dit, voilà le réveil. On va le tuer. On dit, jetons-le dans le puits. Quand on le jette dans le puits, on l'a semé. Quand on les ressuscite, c'est la moisson. On les voit en Égypte. Quand il arrive en Égypte, ses frères sont restés Ikabod. Parce que Joseph part avec les sacerdotes, avec les cultes, avec les pains. Donc quand ils ont envoyé Joseph, ils ont envoyé les pains. Passé en Égypte, c'est Joseph qui distribue le pain. Il sort d'Akana, dans la famine. Maintenant, qui bénéficie de la nourriture de Joseph? C'est sa femme, non? Nous, aujourd'hui, nous bénéficions de la nourriture du vrai Joseph parce que ses frères l'ont chassé. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Si vous dites aujourd'hui en Israël, c'est lui qui explique le songe là, c'est Joseph. Il ne croiront jamais. Maintenant, qui bénéficie de tout? Moi, sa femme. Je suis assis sur le trône. Mais je sais que il n'est pas mon frère. Un jour, il va se révéler à ses frères. Mais avant de se révéler, il faut que moi je produise le fruit. Donc la femme de Joseph doit produire le fruit. Après cela, Joseph dira ceci: allez me chercher Benjamin. Quand Benjamin vient, Joseph se révèle à ses frères. À ce temps-là, ses frères aussi entrent dans les rênes de Joseph. Donc nous voulons dire que le vrai Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui aujourd'hui règne avec nous. Aujourd'hui, Israël, c'est Mephibosheth qui est hors du camp. Mais à cause de leur père. Voilà pourquoi les gens qui prêchent Malachi 4 aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Parce que Malachi 4 aujourd'hui, ça va faire quoi? Quand on dit Camille, il faut que Eli te ramène vers le père. Qui est le père de Camille? C'était païen. Qui est le père de Jean Willy? C'était païen. Qui est le père de Mali? Il était où? Mais le père que Dieu se souvient, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Voilà pourquoi il faut qu'Élie le prophète retourne en Israël à travers le ministère de deux témoins, leur prêcher Jésus-Christ qu'ils ont rejeté. Je recommence. Jésus-Christ meurt, ressuscite le troisième jour. Le soir, il apparaît à ses frères. Il dit Shalom. Il dit c'est moi. Quand Jésus-Christ est à Paris, Thomas n'est pas là. Il part. Thomas revient. Il dit, nous avons vu Messie. Ah non, non, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Mais Jésus-Christ, à cause de Thomas, il va revenir. Cette fois-là, ça ne sera pas pour tout le monde, mais ça sera pour Thomas. Aujourd'hui, Israël n'est pas là. C'est lui Thomas. Thomas n'est pas là. Mais un jour, il reviendra pour qu'Israël le reconnaisse. Ça sera l'entrée de Mephibosheth. Et à travers la prédication, à cause de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Est-ce que tout le monde comprend? De même que, attends. De même que Dieu s'occupe de nous aujourd'hui, il s'occupera aussi d'Israël. Je vous pose une petite question. Si pour Israël, Dieu s'est souvenu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant pour moi, Dieu se souviendra de qui? On monte un degré s'il vous plaît. Vous êtes? Tayari. C'est simple. Papa, prenons 1 Samuel chapitre 24 verset 5. 1 Samuel chapitre 24 verset 5. 1 Samuel 24 verset 5. La Bible dit: après cela le cœur lui battit. 1 Samuel 24, verset 5. Parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saoul. Descendez. Ok, de Saoul. Et il dit à ces gens: que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, le roi de l'Éternel, une action telle que porter ma main sur lui. Car il est le roi de l'Éternel. Oui. Descends. Par ces paroles, David arrêta ces gens. Et les empêcha de se jeter sur Saoul. Verset 15. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera. Il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David y finit d'adresser à Saoul ses paroles, Saoul dit: espie ta voix, mon fils David. Peut-être cette traduction commence par le verset 14. Oui. Verset 14. Contre qui le roi d'Israël serait-il mis en marche? Qui poursuit-tu? Un chien mort, une puce. Attends. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Prophète Malé, vous avez lu quelque chose là. Ça dit que quand Saoul poursuivait David, David s'est dit chien. Il dit: Saoul, ozo la nangai. C'est que Mephibosheth a zaka mboate. David dit pas zaka mboa. Maintenant, tant ozo mi mona liboso ya mboa, il dit que non. Nzambe abate la kina loko la mboa. C'est-à-dire que Dieu du ciel, quand il a pris le corps, il était chassé hors du camp. À la croix, Jésus était devenu semblable au chien. Il est capable aussi de prendre notre place, de se souvenir de nous. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 4. Ça n'a combien, Hébreux chapitre 4. Ma case est là. Lisez ça, prophète. Hébreux 4. Verset 14-15. Annoncez. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous à toutes choses, sans commettre de péché. Jésus-Christ, Jésus-Christ, peut se souvenir de moi comme chien, parce que lui aussi était devenu chien. David peut se souvenir de Mephibosheth comme chien, parce que lui aussi était poursuivi comme chien. Donc Jésus connaît mes faiblesses, parce qu'en portant ce corps, il était devenu faible comme moi. Je dis à quelqu'un qui se sent encore faible que Jésus connaît tes faiblesses, parce qu'il avait pris ce corps. Il était aussi faible comme toi. Il était tenté comme toi.
Mais pourquoi David n'a plus condamné Mephibosheth? Parce qu'il avait pris ses corps. Je dis à quelqu'un qui se sent condamné, il y a des gens qui vivent dans la déception, dans des jugements. Jésus te connaît. Il connaît même là où l'homme ne peut pas arriver. Les gens peuvent me voir, me condamner. Je peux me lever. Il y a des fois, je me lève 2 heures pour prier. Le sommeil me prend. Je me force. Mais il y a un sacrificateur qui peut intercéder pour moi. Parce qu'il connaît mes faiblesses. Je suis venu vous dire ce soir, il y a des calendriers, il y a des promesses que Dieu a prévues pour se souvenir de tes faiblesses. Ne te décourage pas, même si les choses ne marchent pas. Ne te décourage pas. Si tu te vois chien, lui aussi était chien. Moi, j'aime la bonne nouvelle. Je vous ai dit ce jour-là que j'ai étudié des religions. Il y a des gens qui se forcent d'être saints. Mais la différence pour nous, Dieu est devenu homme. Il a pris ma place. C'est-à-dire là où l'homme... Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Cet homme-là ne me comprend pas. Il ne peut pas te comprendre parce qu'il n'est pas Dieu. Cet homme-là, j'ai tout fait, il ne te comprendra pas. C'est un homme. S'il a la nature de Dieu, il te comprendra. Si vous voyez les gens vivre sur cette terre, peut-être beaucoup de gens que tu vois, les amis, si Dieu révèle leur cœur, tu ne vas plus les appeler les amis. Des fois, quand on nous révèle ce que nos amis nous disent, nos cœurs sont tourmentés. Non, Dieu a révélé seulement le pire. Nzamba révélé à Nyon Sauté. Parce qu'il révélait tout. Au vivre dans mon tout. Quelqu'un peut te dire, ah, bien vêtu. Mais dans le cœur, il dit l'ongwa. Il fallait qu'on aille. Il y aura un demotolataka. Tu dis en tout cas, eh, belle voiture. Hein? Mais dans le cœur, l'ongwa. C'est ça le cœur de l'homme. Ne vous en faites pas. Il y a un Dieu qui te comprend plus que tout. Le monde. Si tu attends les calomnies des gens, si tu attends les injures des gens, ne te décourage pas. Parce que l'homme ne te comprendra jamais. Mais il y a un Dieu qui me comprend. Là où je marque la force, il y a un David qui était chien. Il peut me supporter aussi comme chien. Là où les gens sont limités, il y a un Dieu. J'aime que les gens m'abandonnent. J'aime que les gens m'oublient. Mais que Dieu ne m'oublie jamais. Le père de David l'a oublié. Mais Dieu connaissait là où se trouvait David. C'est-à-dire que Mephibosheth ne te condamne pas. Il y a quelqu'un qui a pris corps. Il peut subvenir à tes besoins. Je vous ai enseigné quelque chose ici. Je vais m'arrêter là pour comprendre. Vous avez compris le message d'aujourd'hui. Hein? Nous sommes déjà dans le monde prophétique. Hein? Donc demain, on entre déjà dans les seaux. J'ai voulu planifier les choses pour que tout le monde comprenne. On va étudier quoi? Pour que David établisse son royaume, il doit combattre. Quand il brisa les premiers seaux, il eut le cheval blanc. Donc on va étudier ça demain. Parce qu'il n'y a pas l'établissement du royaume sans le combat. Donc quand il prend le livre, il doit le briser. Et j'envoie les premiers. Pourquoi le cheval blanc apparaît? Parce qu'il n'y a pas le royaume sans la conquête. Donc ne manquez pas demain. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qui est-il de prendre le livre? Qui est-il de prendre le livre et de rompre les 7 sceaux? Au ciel, personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, comment Jean, un homme, voyait au ciel? Il voyait aussi sous la terre. Comment? Il a vu tous les ancêtres pour qu'on ne prêche pas aux ancêtres. Il a vu sous la terre, tous les ancêtres étaient là. Personne. Mais on dit, Jean, ne pleure pas.
voici les lions. Donc là où la voix est sortie, il y avait aussi la réponse. Donc quand Dieu pose la question dans ma vie, c'est lui-même qui peut répondre. Quand Pharaon dit, tuez les hommes, tuez les garçons. La mère de Moïse a dit non. Je prends mon fils, je l'amène au fleuve. Parce que le fleuve là, c'est là qu'on doit jeter les hommes. Alors moi, je ne veux pas qu'on jette mon fils. Je le mets là où la loi était sortie. Jeter les enfants. Une fille est sortie. Même lieu, c'est dans le ciel qu'il y avait la condamnation. C'est dans le ciel. Une femme est sortie. Dieu, en prenant le corps, il devient femme. C'est pour me chercher. Jésus-Christ peut arriver là où personne ne peut arriver. La bonne nouvelle pour moi, tu sais, tu m'as toujours traduit. Ton nom c'est qui? Vicomte. Djina Lakunan. Vicomte. On pose que c'est combien? Prophète Mali, c'est comme ça? Oui, oui. Djina Lakou. Nani. C'est qui? Vicomte. Vicomte. Oui, oui. Ah. Frère Vicomte, tu sais, Moïse la fille là n'était pas sortie seule. Il est sorti avec les filles qui l'accompagnaient. Parce que Jésus au ciel, il n'est pas sorti seul. Il est sorti avec les prophètes, les Jérémie. Il s'est passé. Quand il marchait, on dit, tu es Jérémie. On l'accompagnait. Mais la bonne nouvelle pour me sauver, Jérémie n'est pas entré dans les fleuves. Ils sont restés à l'extérieur. La fille de Pharaon seul entre dans les fleuves, parce que c'était le fleuve de la mort. Il est entré seul et elle m'a vu. Elle a attendu. Mais c'est quoi? C'est la corbeille. Mali va prendre la corbeille, mais il n'ouvre pas. Il ramène la corbeille. C'est celui qui m'a vu. Je peux vous prêcher, mais j'ai des limites. Mais il y a quelqu'un qui est capable d'ouvrir ton cœur, voir ton cœur, comprendre tes pleurs. Voilà pourquoi il est écrit, la fille a vu, elle a attendu. Parfois l'homme ne peut pas te voir ni te comprendre, parce que ce sont des hommes. Mais il y a un Dieu. Je sors ce soir avec assurance que Dieu m'a vu, me connaît, il peut répondre à tous mes besoins. Est-ce que tu peux prier avec assurance? Tu peux prier avec assurance? Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. Tu vas prier, Dieu me connaît. Il me connaît. Il peut résoudre tous mes problèmes. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu me connais. Mieux plus que les hommes, tu me connais. À partir du 30 juillet jusqu'au 13 août 2023, la même adresse. Nous sommes au numéro 6593 de l'avenue de Manguier, quartier Bel Air Mazoud, référence arrêt des Oliviers à côté de l'ANDN Vodacom. Papa, maman, Karibou Kwetu. La mission évangélique École de Tyrannus organise une grande action dénommée Camp Meet 2023 sous le thème Mephibosheth, tiré du livre de 2 Samuel 9-6. Cette action ira du 30 juillet au 13 août 2023, du lundi au vendredi de 14h30 à 19h juste et le dimanche de 14h30 à 19h juste. Shalom peuple de Dieu, nous venons auprès de vous annoncer une très grande activité que nous organisons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ au sein de l'église MET avec le prophète Jean-William Baza de l'Afrique du Sud de Cape Town. La première activité, ça sera pour tous les serviteurs, le ministère de la parole, les servantes et les amoureux de l'évangile. Ça sera une conférence jeudi 26 juillet 2023 à partir de 9h. Nous sommes là jusqu'aux 14h. Donc nous vous invitons à répondre massivement à cette grande action Camp Meet 2e édition. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Grâce et paix du Seigneur vous soient accordées. Nous sommes très heureux de venir auprès de vous, vous inviter et vouloir venir prendre part à une grande activité, méga enseignement qui se tiendra dans notre église Met à Lubumbashi et sera suivi d'un grand enseignement biblique qui se tiendra sur le mystère de Mephibosheth qui va commencer à partir du 30 juillet
jusqu'au 13 août 2023, la même adresse. Nous sommes au numéro 65-93 de l'avenue de Manguier, quartier Bel Air Mazoud, référence arrêt des Oliviers à côté de l'antenne Vodacom. Papa, maman, Karibou Kouetou.